vote d'un certain nombre de textes de loi, également en appui pour la tenue des élections communautaires. Donc, s'il y a eu toute cette activité, c'est évident que l'UPR devrait se prononcer par rapport à tout cela, parce que nous sommes concernés, dans la mesure où nous avons créé un parti politique, et dès lors, le parti politique que nous avons créé a pour vocation de conquérir le pouvoir de la base au sommet. Ça veut dire donc de proximité nous concerne à plus d'un titre. Alors, ce qui va se passer en ce qui nous concerne, le bureau exécutif va se réunir autour de ce sujet. Les dispositions seront prises pour consolider celles qui ont déjà été prises, parce que vous n'êtes pas resté les bras croisés, vous avez fait beaucoup de travail. Nous allons donc nous atteler à consolider le travail que vous avez fait et déterminer notre position quant à la tenue de ces élections. Nous savons une chose, nous appartenons à la mouvance présidentielle. Nous sommes donc alliés au RPG arc-en-ciel. Je précise que nous sommes alliés au RPG. Dès lors, nous devons discuter avec notre allié pour voir qu'est-ce que nous pouvons mener comme stratégie pour ces élections. Notre souhait serait qu'on s'entende avec notre allié pour mettre la stratégie la plus convenable pour nous faire gagner beaucoup de conseillers. C'est notre souhait. Et nous allons travailler dans ce sens et nous allons discuter avec notre allié pour y parvenir.